Encore. Elle se retourne, croise mon regard. Me voilà pris en flagrant délit. Quel piètre espion. Ce visage si doux m'obsède. Je me pose tant de questions. Je ne puis penser à autre chose. Elle me hante. Pourquoi je me réveille aujourd'hui? Ce matin a une drôle de saveur. Qu'est-ce que je fais? Ses cheveux qui tentent de boucler sans y parvenir vraiment. Ses lunettes rondes, si élégantes. Sa sourire envoûtant. Et ses yeux. J'en perds la couleur. Peut-être m'en rappellerai-je à l'aide d'autres visages. Non. Non. Encore non. Toujours pas. Hey. Tu dessines les plantes ? Disons que c'est pas vraiment les gens que je dessine, c'est. Plus leur silhouette. Tu vas pas me montrer ? T'as cours à quelle heure ? Pareil que toi. On y va ? Art du spectacle. Ça correspond pas trop au dessin. Pourquoi t'es là ? C'est tellement chiant, je crois. Et toi ? Je sais pas. C'est ma vocation, tout ça. L'inspiration, la création. Et puis ça m'aide à me sentir moins... de tout le monde, ou effacer. Mais t'aimerais pas se sentir à ta place? Ah mais si, je me sens à ma place, hein, c'est pas la question. Et puis être à sa place, c'est pas forcément faire partie d'un groupe ou alors être comme tout le monde. Regarde. Toi, par exemple, la première fois qu'on te rencontre, on a l'impression que t'es comme tout le monde. Mais en fait, t'es assez à l'écart des autres. Et pourtant, tu reviens en cours, tous les jours. Bon, ok, c'est juste pour dessiner des gens, mais tu reviens quand même. Donc ça veut quand même peut-être dire que t'es à ta place dans un sens. Autrement, bah, tu reviendrais pas. Tu t'es court-circuité ? Non. Ce que t'as dit, c'est tellement juste... Ça m'a complètement perdu. Carrément. Je suis philosophe maintenant. Ah mais je te promets. Tu vas rejoindre tes amis ? Toi aussi. Ah. En effet, il arrive. Je te conseille de partir, ça risque d'être très gênant. Ok. Bon, c'est bien. À plus. Timothée, et toi ? Adèle. Ouais, mon pote Timothée, ouais. Quoi ? Hey, arrête de faire le mec mystérieux, là. Je te connais trop. Ouais. Allez, viens. Alors, on va voir ensuite le grand A au cinéma avant le sonore. Il y a une soirée ce soir. La période muette n'a jamais été vraiment silencieuse. Alors, tu ramènes ta dulcinée ? C'était pas vraiment une épée. Soirée. Qu'est-ce que tu veux faire dans une soirée ? Musique, graille, alcool, meuf. Teuf. Allez, viens, ça va être cool. Allez, mec, tu verras, ça va être bien. Parcours son corps.
c'est avoué nos torts. Embrasse-moi sur le cou, ça restera entre nous. J'ai parcouru son corps, on s'est avoué nos torts. Embrasse-moi sur le cou, ça restera entre nous. Ouais, frérot, c'est comment là? Tranquille? Ça dit quoi, frérot là? C'est quoi cette tête, gros? T'es lugubre, frérot. Hey, je me présente, je m'appelle Amine, et qui est Lunaire Baby, et qui est Prince, et qui est la Lune, et qui est le miel sur ta femme. Enchanté. Là, tu vois, je te vois, t'as une tête lugubre, poteau. Alors que là, on a une soirée, il faut danser, il faut s'amuser, gros. Il faut y aller. Écoute, frérot, tes mains. Ce soir, tu peux être n'importe qui. Des mecs comme toi, j'en croise tout le temps, frérot. Et je te le dis, une fois que t'es dedans, t'es dedans. Ok? Et pour commencer, mon gars, rien ne me qu'un bon verre. Oh mec, c'est l'heure de vérité. Est-ce que tu tiens l'alcool? Ouais, vas-y. Let's go. T'inquiète, frérot. Si un elfe est insensible à l'alcool, il le reste à la fatigue. Et il est temps d'y retourner, de se lever, s'effacer encore et oublier cette nuit. Il en est de mon devoir. Sur le coup, ça restera entre nous.